Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Everybody. Righteousness, peace, and joy. Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Si vous l'avez, vous avez des yeux, vous pouvez lire ensemble avec moi. 1, 2, 3. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Nous disions le vendredi ceci. Dans la vie de l'Église, il y a des choses qu'on appelle liturgie. Liturgie, c'est-à-dire, ce sont les choses qu'on fait presque à chaque culte. Comme chez nous, pour lire la parole de Dieu, nul ne point besoin qu'on te dise, tiens-toi debout. On va lire la parole de Dieu, tu te mets seulement debout. Et après avoir lu la parole de Dieu, nous acclamons la parole du Seigneur en train de nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer bien maintenant? Merci. Bonjour mes bien-aimés. Je suis en train de faire un effort que je rentre dans mes anciennes habitudes. J'appelais toujours les gens bien-aimés, bien-aimés. À un moment donné, c'était devenu mon nom. Bien-aimé. Okay, bien-aimé, comment? Bon, j'aime ça, c'est ton de bon terme. Bien-aimé. Je te veux dire à ton voisin, bien-aimé. Bonjour. Merci. Nous sommes dans l'an 2021. L'année des grandes réalisation. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12. Et nous avions dit aussi que les trois premiers mois, si vous remarquez, nous sommes en retard, un petit décalage de 2 semaines. Nous avons commencé l'année presque à la 2e semaine. Nous avions dit que janvier, février, mars, nous croyons parler de domine au milieu de tes ennemis. C'est le psaume 110, le verset 2. Donc, le vouloir de notre Dieu voudrait que nous dominions l'année, déjà, maintenant. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas une chose simple. Est-ce que je peux avoir même 10 personnes, rapidement, qui sont rapides. Rapidement, rapidement là. Même 10 personnes, si c'est possible. Montez, montez. Et, Job a dit ça. Ah ouais, je suis Pierre, Jacques, Najan. Bah, Mathieu, de quoi, Pierre. Où y a tout? Il y a tout ce que. Si on n'a pas ta occasion à l'hôpital que tu cherches, si on a profité, on a l'hôpital. Ou que moi, non, mais mon amour, il n'y a pas de problème. Et comme vous voulez que vous n'avez pas on mira, moi, je ne suis pas tant. Eh, pardon, maintenant, tu fais la secret. Combien là? 4 ici. Bon, même comme ça. Regardez bien. Domine au milieu de tes ennemis. Je vous explique d'abord ce que j'ai réfléchi sur au milieu. Au milieu, c'est être entouré des autres. Donc, tu es entouré. Entouré, c'est-à-dire quoi? De part et d'autre, il y a des gens devant, derrière, tout ça, tout ça.
J'ai trouvé aussi qu'au milieu se place de quelque chose ou de quelqu'un qui est situé entre plusieurs. On est ensemble. Voilà. Maintenant, entourez-moi. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes les ennemis. Hein. C'est comme je disais vendredi. Mais quand ils savent toi, bon. Supposons, ou un démon fulan, ou une démon fulan. Pas capable parce que tu comprends les lignes de parler ça. Vous risquez. Vous ne montez pas parce qu'on n'a pas de démon. À certains ni pasteur ne doit dire ça. Pasteur ou toi, c'est moi qui boule. Tu n'as risqué. Vous ne montez à miniac à tabiller dans ces marques. Mais Dieu a mangé ça. Pasteur ou toi, c'est moi qui boule. Ça, ça n'est pas comme bien pour l'air de l'offre. Où l'air de l'offre, où l'air de l'offre, où l'air de l'offre, pasteur Mouenye, ouais. Mais non, pas les djinns. Je suis en train de me donner un peu de temps pour gagner ce qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je ne veux pas nommer des choses de soi. J'aimerais que l'Église comprenne. Nous avons lu en Matthieu 10, Jésus a dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder sur les milieux là. Nous sommes au début de l'année. Il faudrait que les gens comprennent bien le sens des thèmes. Ce n'est pas un hasard. Gloire à Dieu. Voilà que je suis entouré des gens. Malheureusement, on parle des ennemis. Alors, qui est ennemi? Nous apprendrons le dimanche prochain, ennemi. Je rappelle ce que j'ai dit vendredi. L'homme est d'abord l'ennemi de lui-même. Retenez ça. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Parce que tu as la chair. L'Esprit de Dieu est contraire à la chair. C'est Paul qui parle aux Galates. Et Dieu l'a fait exprès pour que, si tu es spirituel, que tu ne sois pas charnel. Là n'est pas la leçon du jour. Voilà, je suis entouré des ennemis. Celui qui est par derrière, je le vois, je ne le vois pas. Répondez-moi. Celui qui est derrière, je le vois. Celui qui est à gauche ou à droite, je le vois bien. Pas tellement. Je vois bien seulement celui qui est devant moi, qui est la sœur Myriam pour aujourd'hui. Maintenant, je ne connais pas les stratégies de chacun parce qu'il est ennemi. Et l'ennemi vient de la haine. Je ne sais pas pourquoi il me hait. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'haïr, tu ne lui as rien fait, mais il te hait. Parce que tu t'habilles bien, il te hait. Parce que tu travailles bien, il te hait. Parce que tu progresses, il te hait. C'est ça la nature humaine. Sans oublier cela, même les amis peuvent devenir des ennemis. N'est-ce pas? Surtout en politique, là, on peut être ami aujourd'hui et demain ennemi. Hein? On ne se fait pas cadeau. Hein? Et troisièmement, il y a les ennemis invisibles. C'est ceux-là qui sont plus forts parce que tu ne les vois pas. Qu'ils soient devant ou derrière, tu ne les vois pas. Imaginez ici où je suis et que ces gens m'attaquent. Comment je vais me défendre? Essaie un peu de m'attaquer, mais ne m'attaquez pas. Il y a un taquin derrière. Il me pousse déjà. Merci. Rentrez. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est entré. Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis. C'est Dieu qui dit. Voilà la leçon du jour. Je donne la première observation. N'oubliez pas, nous sommes en Matthieu 10, 16 à 20. C'est ça, le texte de base du jour. Les autres textes, j'ai cité pour qu'on comprenne tout le temps, même si tu dois prêcher, tu dois travailler, même pour chanter, aligner les cantiques, tu dois savoir que le thème de l'année, c'est quoi? Dieu fera de grandes choses si on est avec lui. N'est-ce pas? Et pendant les trois premiers mois, nous voulons dominer. Dominer au milieu des ennemis.
Mais je vais essayer de circoncire beaucoup plus le milieu là-bas. Première observation. Les paroles de Jésus-Christ aux apôtres concernant la réaction à leur ministère n'étaient pas encourageantes. N'est-ce pas? Tu envoies quelqu'un en mission et tu lui dis, bon, je t'envoie comme un faible. Mais là où je t'envoie, il y a des gens plus forts que toi. Est-ce que c'est encourageant? Je t'achète un moucho. C'est vraiment décourageant. Tu dis à quelqu'un, bon, on va faire l'évangélisation, mais attention, l'évangélisation, on est comme un naf, on est comme un bâtiment. On va t'accouludiria. Ça encourage ça. Ça décourage. Mais comme c'est le Seigneur qui dit, il dit chaque chose à sa place. Il n'utilise pas des mots qu'on pourrait utiliser. Non, non. Ça a de l'impact. Gloire au Seigneur. Leur tâche serait difficile car ils seraient comme des brebis au milieu des loups. C'est là où commence la problématique. Je vous envoie comme des brebis. Donc, je vous envoie comme des gens faibles pour aller combattre les forts. Mais allez dominer. Vous faibles là, allez dominer les forts. Je donne dans la deuxième observation. Les apôtres, ils allaient devoir être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est-à-dire, sages. Doivent être sages pour éviter les dangers. Il doit être inoffensif en ne s'opposant pas à l'ennemi par la force. Je vous envoie faible vers l'effort. Mais soyez prudents. Comme le serpent et simple comme la colombe. Le Seigneur nous demande ici, si quelqu'un a compris déjà, qu'il ne faut pas provoquer les problèmes parce que tu es puissant, parce que tu as le Saint-Esprit. Non. Suivez-moi bien. J'ai donné un exemple extrême. Jean-Baptiste. Vous le connaissez? Était-il envoyé de Dieu? Était-il envoyé de Dieu? Et d'ailleurs, c'est même lui qui avait introduit Jésus-Christ au ministère. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a pas de problème. Mais quand les problèmes sont arrivés, il a envoyé les gens aller demander, est-ce que Mukamuri Zembele ou Yesu? Dieu ou l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde? C'est lui qui a informé les gens. C'est ma ouyou. Joe Wakuisha Mambo. Joe Terminator Wamungu. Joe ouyou. C'est lui Jean-Baptiste. Personne ne le connaissait à part ses amis, ses plus proches. Mais on a dû retrouver mon Ngereza. Mon frère, ne crois pas que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a un peu de temps. On a dit que nous avons un poids. Au moment où on parle, Alléluia. Jean-Baptiste, colère na mubamba, parce que chef wa mukini, roi, gouverneur, Hérode, mkubwaya, anabeba bibi wa mkubwayake. Anakuya wake. Jean-Baptiste dans sa colère là. Colère, il commande colère. C'est mon belle colère. Colère, pourquoi colère instantanée, na retardée. Instantanée, ni va aller primer. On va aller. On va expliquer capote. Je vais primer. Et qu'on a ma dit pour y aller naie. Parce que mon dieu naie, on a un picaloupi, on a un chamboule. Enfin. Donc colère, il couille primaire, il couille secondaire, il couille humanitaire ou universitaire, il ne peut pas qu'à
Pourquoi la Bible dit quand tu te mets en colère, ne pêche pas. C'est-à-dire, quand tu es en colère, tu es prêt de pécher. Quand ma colère, tu n'as pas en d'un, ou mon matelo. Il faut faire attention. C'est pourquoi, aussi, on dit, quand tu es en colère, apana kulala na colère, avant le bushingishi, toche à colère. Oublie, pardonne. Ce n'est pas la mission. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas m'aider, il y a bien. Gloire au Seigneur. Alors, Jean-Baptiste Pavantu, chef de l'école, ouais, Rod, ouais, Moucharati, ouais. Vous avez vu dans la Bible, en tout cas, ouais. Nous parlons, Megan. Nous parlons, Matashi, bien. Jouer au Saint-Esprit. Nous parlons, Megan, ensemble. Nous parlons, Megan, ensemble. J'ai un enfant qui a un ceste, qui a un enfant qui a une impudicité, une prostitution. J'ai un enfant qui a un autre, madame. Mais, je vais vous embouchez tout seulement. Je m'aime. Je demande à vous qui avez le don du Saint-Esprit, demandez la sagesse à Dieu. Pas que donc il y a don ni anani ni achetan ni anani. Si y a mungu, autant de mou, kasapa. Ça, au nom de Jésus ou au nom de quoi? Toi, tu prends la femme de ton frère, toi, incestueux. Roi, il m'a piqué à parler. Anasa mon mufunge. Anasa mon mufunge. Oye, que ça joue. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est ma belle naouye. Le cœur de l'homme. Moumba, c'est ma le cœur de l'homme. Est tortué, on a tortué. Il mangeait, mukoma, il jibou, mukona mi, na ma yibwe, jo tortué. Ça, ça mungu arangama taro ya muntu anweka mu miba na michale, na mikuki, na maoto blende. Paka mukaro kaloko, ana bingi shandani, na corona, paka mulendani. Et Dieu dit, personne ne peut le guérir. Paka yé mungu, jo ana tuza karo. Utazala mutoto, utazala oyo yaki. Tu mets au monde un enfant, Léo. Mais il a na yua, nikolumisha meno, kumajiba, il est na mupa bujima, na lumisha ko. Dieu a combien c'est ma mouchima, moyumubi. Ayayua A, ayayua B. Kila na yua ni kunyonya. Kisha kule kunyana nyonyaka kule. Anaanza kupima kwa demonstration. Est-ce que vitamuma? Vitamuma au vitamuma? Le cœur. Tortué par-dessus tout. Sasa mina jurizaka. Sasa par-dessus tout. Nukusema moyo. Ina mpita na chitani au. Chiju tout ni tout. Mubarikiwe sana. Et Jésus leur prévient. N'allez pas provoquer les ennemis. On a ce qu'il y a, Mouzoud. Non, parce que j'ai le Saint-Esprit. Moi, on est d'accord. Tchokoja, président, Tchokoja, ministre, maire de la ville. Papa, tu fais un diacre, tu fais un diacre. Tu fais un diacre. Tu fais corona. Corona, tu fais un diacre. Tu fais un diacre. Ba prophète, banamo. Ba apôtre, banamo. Naba. Trishop, quadribishop, manager, comme banane. On a un peu de temps pour nous. Par contre, on a un titre bien pasteur, chiki, évangéliste, docteur, ninitem, prophète. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu Trishop. On a pas qu'il bishop. Ça va chez Tripita Mosse, mon Dieu, ton aïeux à Mana, à Bilébit. Bishop, on est révérend. Donc, c'est ma pasteur, et on a pas pasteur, naïe, pas ming. Là, on a dit, 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 on a bishop.
kuweke mkono. Ni mambo hii. Gloire au Seigneur. Donne-moi même trois fois, je te dis une bonne nouvelle. Très bien. Bien-aimé, on a changé tout. On a imaginé un banyama. On a un aigle. On a une colombe. On a une hirondelle. Mais si vous êtes comme il est mungu à l'élite comme Baya, il faut vous faire une guine. Il sait. Na ya banyama nye haina tu bien, ba lion, ba kwa mbele, ba jeni lion, ba egle, ba nani, kisha ba kwa ba soda, general, colonel, kama lieutenant, mea mwule ya mwukala ke kaporo, mwukala paka ba yon. Je vous amène quelque part, hakuna kintu kizuri sawa kile mungu alileta, kile wantu watafanya ni kiabongo, ni kiabule. Ce n'est pas le nom par lequel tu seras couronné par Jésus. Ce que tu es et ce que tu fais, c'est ça qui te fera couronner au ciel. J'aimerais me toucher, me kichwa, mambo ya kusama, tu vas mingi. Voilà tout à fait. Atu yakuya va mingi, selon la vision de Dieu. La vision ya mungu alileta pai kanisa, c'est pour gagner les rois. Parce qu'il nous a donné l'onction royale. Et Dieu est en train de nous instruire, de nous former, de nous tailler, de nous informer, nous préparer du moment quand nous aurons les rois. Que nous ne soyons pas complexés, que nous soyons à l'aise. Au lieu que nous nous fléchissons les genoux parce que le roi est là, que le roi fléchisse les genoux parce qu'il trouvera que nous, nous avons Dieu. Lui peut avoir l'argent, le pouvoir, mais nous, nous aurons Dieu. Et Dieu dépasse toutes choses. Acclame pour Jésus. Il dit, soyez simples comme des colombes. Ici, selon ce que j'ai lu et compris et étudié, le Seigneur m'a parlé que le simple qui veut parler ici, c'est être non mélangé, être non complexé. Donc, c'est mouchanganiko. Être intègre. Alléluia. Pigeon au colombe. Afouatake, bibi wa mwingine. Je parle bande que balé wa taille ba colombe ba pigeon. Ils sont intègres. Pigeon, pas qu'un bibi yake. Pas qu'un abouana yake. Anachana na ba banyama bingine, ba nkuku. Kuku anezu kwa mpasku. Ba poule, ba poule, ve kwa ta 5, bo teni vake. Pigeon apana, paka wake. Vous comprenez ça? Donc Jésus ne donne pas des exemples comme ça. Non, non. Il met chaque mot juste à sa place. Donc le Seigneur veut dire, ne sois pas mélangé. Apana kuchanganika. Dieu n'aime pas les mélanges. Awoko wa mungu, awa una wake. Évite l'hypocrisie. Et si tu deviens intègre, tu n'iras pas dans des groupes de prière, tu n'iras pas à gauche, tu vas être un endroit là où le Seigneur te trouvera. Écoute, ce n'est pas le lieu ou le nom qui va faire que Dieu te bénisse. Dieu te bénira en fonction de toi-même et en fonction des promesses qu'il a préparées pour toi. Si Dieu avait dit, oui, utakuya fulani, mina kuambia. Peu importe les circonstances, il y a un jeune homme, c'était mes contemporains, il est maintenant en Belgique, c'est un professeur, Kandanga Richard. Dans la carrière de la Gécamine ici à SKM, vers Kapata là-bas, on avait mal miné, donc on a mis beaucoup de doses de dynamite à Kapata. Les pierres quittent la carrière inenda mu camp ya Kapata. Inengia mu nyumba ya muntu inamuvunja mukulu. Est-ce que vous comprenez ça? Apa ya kwa boloji? Je n'ai pas dit apa ya kwa boloji. Les gens disent non, chez Malawi. Comment dit wedi toke mu carrière ipite ana sana sa yenjo nyumba yake ya kumwanjo hivi ya. Peko ma nyumba ribo inenda kumtafuta paka Kandanga Richard.
D'ailleurs, je vais l'appeler pour que assomme YouTube. Je suis en train de donner le témoignage de Dieu. Inamupika na vunjika mubaya. J'ai prié pour lui. Il avait son ami qui est ici, il travaille à Fuchs. Quand vous entrez à Jambo, à côté, à droite, là, on voit les huiles. Hein? Il s'appelle Jean Tokole Fumbelo. Allez, c'est son ami. Regarde, les gens peuvent dire tout. Non, je m'en ai dit, Dieu avait un plan. Parce que sa famille est pauvre. Dieu veut relever la famille à travers celui-là. Dieu permet à Vunjike Mikulu Mubaya, Jekamine Bachine de Koutenyenesha, Banenda Kumalubumbashi Wapi Banachinda. Non, il faut que Moutouma Jekamine, Wendu Mouvunja, Konamen, Banamoutouma Moubulaya. Banamoutouma Moubulaya, Koufunda Masomo. Arifunda Koupepe, Jekamine. Encore Moutouto wa Jekamine. Dieu l'amène là-bas, Banamoutengeneza Mukulu, Banaitengenesha bien, quoi bien. Luria, Chita Luria. Anajama en Belgique. Et j'en angaria, ça veut quoi? Tu sais, il était très ambitieux, ce jeune homme-là. Quand il y a. Je m'excuse, hein. Quand il y avait. Quand il y avait des soins, on aurait été comme un moment où il y a ma balle. Hein, qu'on appelle boum. Il y avait les boum. Samedi, il y aura boum. C'est un jour où on a. Popo la nuit, le mzoudi. La patte d'éléphant. Donc, mon enda kuchiza. Ma danse, kule, ma fieri, kuingia, tout ça. Hein, mon afoura, il n'a pas de bingine. Il n'a pas de Alors, lui, c'est ce homme-là. Richard, munga ubariki. Je sais que mungu, hein. Mungu, anakutosha, kumvumbi, anakweka mbazungu, unakuwa na professeur d'université. Ushisabu mungu, Richard. Unanishikia. Or, il avait une sorte d'appareil photo caméra qui a coup fort. Mais quand je me balle, je me dis que je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Entre temps, il y a une caméra. Il y a un bateau. Il y a un bateau. Il y a un bateau. Il y a un chef. Il y a un encadré bien. Il y a un chef. Il y a un bateau. Il y a un chauffeur. Il y a un boy. Umusaidie kumkichwa muko waji. Voilà qui va étudier. Voilà, il va terminer. Et voilà, commence à donner cours. Voilà, il devient la base de la famille, source de bénédiction. Il commence à envoyer l'argent au Congo. Mungu. Dieu peut utiliser n'importe quel schéma. On a vu des gens qu'on a chassés par leurs propres pères, leurs propres parents. Parce que Maïcha n'a pas un goût. Ah non, on a commis, hein, mais on a bricolage, 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 bricolage. On est à l'université. Pas chez Baba. On peut dire, non, non, Baba, chez Baba, il me fout. Kisha, on a couillé à Mukelenge. Baba, t'as kumbuka, t'es à la villa, il me fout. Dieu utilise tous les moyens. Je veux vous amener où? Dans les ennemis là-bas, il y a des moments où ton parent peut sembler un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Si Joseph, on ne l'avait pas vendu, il ne serait jamais premier ministre. Il fallait pas mougiche. Il fallait mougiche l'ouingine. Il fallait mougiche ça. Il fallait mougiche ça. Il fallait mougiche ça. On va dire que c'est un peu de taille, on a mougisha. Banamouza Joseph, on a mougisha. Qu'est-ce que Dieu cherchait dans tout ça? Quoi? Il cherchait quoi, Dieu? Oui, l'élévation, mais il cherchait quoi pour agir? Oui, les moments. Il cherchait quoi? Ah, j'aimerais quelqu'un. Pardon? Oui, il est formé. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu cherchait les lieux de sa bénédiction. C'est ce que Dieu cherchait. Il fallait que Joseph
arrive où? Où? C'était là que Dieu a préparé pour qu'il règne dans un pays étranger. Mais comment va-t-il arriver là-bas? Dieu met l'amour dans son père. Le père aime le fils. Ça crée la jalousie de ses frères. Et cette jalousie là-bas, on va le vendre. À tout à ma jalousie, il va bien. Mais il m'a dit à tout le chef. Mais regardez son parcours. Difficile. Dieu est en train de le former, de l'équiper, de l'instruire, de l'informer, de le tailler. Ces souffrances-là, c'était pour éprouver le cœur. Que le jour qui sera roi, qui n'oublie pas ses frères. Sinon, cher quoi, chef, parle pas de quoi, qui s'est banadilé, ba ennemi, ça y est, na konaka tout, ba ennemi, qui s'est banakulete abo, ou en yo, chef ou gouvernement, banakulete abo, garibou. Quoi, batapona, 20 ans à Kamere Chiglo, ça va piquer pas comme 40 à Koufouye en prison. Mais regarde cet homme qu'on a jeté, lui il a l'amour. Il a l'amour. Djoubi, tu veux bien, on a pas nyonga qu'on a eu qui l'eau. Troisième observation pour terminer. Le messager ne devait pas s'inquiéter. Car le Saint-Esprit, que l'on appelait ici l'Esprit de votre Père, leur donnerait les paroles qui les feraient libérer. Mambo ya Mungu iko nguvu. Mambo ya Mungu iko nguvu. Ça demande beaucoup de choses. Il leur dit, la mission est périlleuse, dangereuse. Il leur dit, comportez-vous prudemment, soyez simple. N'utilisez pas plusieurs dieux, utilisez seulement les Yahweh. Et enfin, il dit, quand on va vous matraquer par vos ennemis là-bas, n'inventez pas de solutions, ni quoi dire, non, non. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de votre Père agira et il fera que vous soyez libérés. Donc, ce n'est pas facile d'être messager de Dieu. Dominer au milieu de ses ennemis, il y a des principes qu'il faut avoir. La prudence. La prudence, c'est quoi? C'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. C'est ça, imprudent. Comme des serpents. Prudent. Quelqu'un qui est prudent, il fait attention à tout ce qui peut créer un problème. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents. Quelqu'un qui réfléchit aux conséquences. Il réfléchit aux conséquences de ses actes. Et qui agit de manière à éviter toute erreur. Voilà un enfant de Dieu. Voilà celui-là qui va dominer. Au travail, vous qui travaillez, on va vous piéger. Peut-être ton chef, vous qui êtes des ingénieurs, des licenciés et autres. Peut-être ton chef estime que tu es plus intelligent que lui. Mais lui, il est ton chef. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va te piéger. Il va faire quoi?
Il va chercher à te ridiculiser. Il va chercher à te rebattre. Même, parce que c'est lui qui va porter réunion. Et plutôt rapport. Soyons prudents. Je dis soyons prudents. Et soyons simples. Notre force, et c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui dit, je vais étendre mon spectre de domination. Je vais te donner pour que tu domines. Alors, suivons les règles du jeu de notre Dieu. Il y a une chose que l'Église a oubliée aujourd'hui. C'est le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on ne parle que les dons du Saint-Esprit. Des talents, c'est bien. Là, ça manifeste la puissance de Dieu. Mais ce qui glorifie Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. Parce que ces gens-là, ils avaient les dons. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Ils ont donné l'argent, ils ont donné à manger. Mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, allez dehors. Pourtant, ils avaient la puissance de Dieu. Mais pourquoi ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Dieu est glorifié dans le fruit. Les dons, c'est pour attirer. Ça va dire, Matunzo, Pantou, on ne va pas pône. Pas les batapones, on va te batabakia. Pourquoi? Ils n'ont pas la semence de Dieu. Hier, il faut que tu nous vois. Combien de sœurs qui étaient ferventes, Banamoa, mon mari, il dit, quand il quitte le travail, il doit manger en face de moi, hein, français. Je suis en Zakuria, en face des contres. Je vois que tu as eu à Ville, il y a un grand Chikungi ne utakuya, unenda kupanda, mule mungu beje juwele na batoto, unanza kuomba mukona, mungu, mambo hii. Unaona kama mambo na kupita, utengia hata mungu, hata mbalabala tu, uko unesha kusawasa u mutakisi. Sasa natuwa mboka, sasa. Pala reanja kukuweka lezi, uyosa ni nini? Sharanza kukutosha muprotection ya mungu. Utoke mbele mwaule, ekute, muna sabo waka mwe bantu. Ule likupa bwana ni mungu. Mumari adi, kuko mari kapable, acha kugala pakitika inji. Jesus Christ, lui il est fidèle, il ne te sera jamais infidèle, et il n'est jamais infidèle, et il ne peut pas oublier l'œuvre de quelqu'un. Ça c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Ah. Bon. Bon. Niseme mon bel. Il est juma mishkubiriake. Merci. Marc 13, 9 à 13. Je ne vais pas commenter beaucoup. Vous allez comprendre parce que j'ai déjà beaucoup développé. Marc 13, 9 à 13, la Bible dit, prenez garde à vous-même. Tu en as chiqué. Ennemi ou à quoi ça n'a ni? Vous-même. Prenez garde à vous-même. On vous libérera au tribunal. Et vous serez battus des verges dans les synagogues. On vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit apprendre à laisser le Saint-Esprit parler aussi. C'est pourquoi nous qui avons grandi dans les SEM, lorsque on prie, à un moment donné, le modérateur il tape les mains. Il dit silence. Pourquoi? Peut-être Dieu peut parler. Parce que quand nous avons parlé, il faut aussi que le Saint-Esprit
parle. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas. Le Saint-Esprit parle toujours. Mais c'est l'homme qui n'a pas les oreilles pour entendre. Gloire au Seigneur. Le frère livrera son frère à la mort. Ici, le frère devient ennemi. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père à son enfant. Nous étions quel verset encore? Et les enfants se souleveront contre leurs parents et leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui kwanja mu Christ, c'est facile. Kumaliza mu Christ, njope ko mambo. Bien aimé, il y a des prières qu'il faut faire. Na sa tu Mungu minta kufa mu Christ. Ça tu fais ça. Déclare ça. Ce n'est pas facile terminer dans le Seigneur. Nous avons connu des gens qui ont commencé terrible. Mais Léoï est comme troisième mariage. Mais, vous savez, le Mungu, il est toujours serviteur. Je me demande, il est serviteur de qui? Kani Satan. Pasteur a divorcé, qui chaque année s'en joue au Nenepa. Bantu atasemani, bibi njoo alikuwa mbaya. Muna njoo ile tayaja bantu. C'est le contraire. Bantu njoo anadire trouver mukan yabo. Bale wana tafutaka kufukusha babibi, wana tafutaka kuona babibi wa mingi, wana pata occasion. Tuendenu, wana koi. Njoo wana yaja, sasa bantu weko nuna bingine. Il y a jamais eu de mauvaise femme, il y a que de mauvais mari. Il n'y a jamais eu de mauvaises épouses. Il n'y a que de mauvais maris. Oui, on a raison de t'engager qui toi parce que tu n'es pas un bon leader. La femme a l'autosuffisance, l'autoformation. Mina kwambia bya kweli. Kama huyu mwanamke wa kudilo loyo wanamuoa kwa chinois, abatafanya 2 ans, ule mwanamke atakuwa chinoise, atajua namna ya kupika biba chinois, ataanza kusema na yeye kinyoa, mara moyo, mwanamke njoo vile nikalaka. Donc kama bibi yako jusqu'à aujourd'hui angali na choyo, uko na choyo kamufle. Si tu me dis que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Eh, dis Jean, tu as un peu de temps. 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 Tu as un peu de On attaque une ouche avant tout. Eh, amouyouak, hein? Bibi anafanana kabouana mbiombi. Je me n'abonne. Atakoufana mbiou. Kama gobi angoufungoufou. Donne à tout bibi n'aena zoangoufungoufou. Kama tout tegetegetege. N'aibi n'a zoa tout tegetegetege. J'en vile vile galaka. Je suis mon conseiller, moi, bal. Si on est en train de faire ça, Oui, le chongole. Donc, fanya kuye modèle. Je suis un peu de bébé. Après, nous avons eu ma boutique. On a organisé comme on a peint. Je suis un peu de diacre. Je suis un peu de diacre. Atakukumbusha. Dimanche ou l'autre fois, on a sauté à Bakia ou Kuriembele ou ta fois ta canisse après. On a fondé à parler. Luc 21, pour terminer.
Luc 21, le verset 12 à 17. La Bible dit ceci. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc nous sommes devenus l'ennemi du monde à cause de Jésus. Jutu ya Yesu le urichika. Jogi nimena kukombani shata bakwenu. J'ai déjà vu un homme, un serviteur de Dieu, en un bébé, que bon, nous sommes envoyés, on attaque un an. Nous le connaissons. Nous sommes envoyés aux dévotions matinales. Oh, nous n'avons pas de foie. Nous n'avons pas de foie. Il y a un bébé, comme un homme, un foie, un homme, un foie. Tu es en train de pécher doublement. On a un bébé, un homme, un homme, mais quoi, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Là, c'est un péché. Négligence. Malédiction. Mais, comme quoi qu'on a tengené chaque bien, qui sont tengené chaque jamour, Marie pour y quoi qu'on a tabantou à baone, à tabac foigne diaconesse, ça c'est rien ça. C'est pour l'organisation, le gouvernement de l'église. Ce qui compte, c'est celui-là, le juste juge, qui nous payera un jour quand nous aurons traversé de l'autre côté de la rivière. Comme l'a chanté Jimmy Swaggart, quand nous serons de l'autre côté de la rivière, devant le Seigneur de tous les seigneurs, c'est lui-là que nous avons servi, qui n'oublie aucun travail que quelqu'un a fait. C'est là que nous reconnaîtrons les vraies valeurs de chacun. Là, nous trouverons des véritables enfants de Dieu. C'est là qu'il y aura des vrais serviteurs, des vraies servantes, parce qu'ils auront prouvé à l'esprit et au monde, au physique, que tu es fort. Plus que vainqueur, ça veut dire que la victoire n'est pas à nous. La victoire, c'est Jésus qui l'a déjà fait à la croix. Nous, nous suivons dans sa victoire en obéissant seulement à ses principes. Et c'est fini. On te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. Parce qu'il sera avec toi pour te défendre, pour te justifier. Te donner le succès, te donner la victoire, te donner la gloire, te donner l'honneur, parce qu'il t'a déjà sanctifié, il t'a justifié, et son honneur, qu'il puisse régner avec nous. C'est pourquoi nous prions, que ton règne vienne. Le règne vient pourquoi? C'est pour que nous puissions dominer. Commence à dominer. J'ai dit, commence à dominer. Moubiote. Mon bien voisin, tu vois la mbiote. Est-ce que depuis que notre président est président, en voilà qu'à ville tout à Ranzan, voilà Mbel. Dieu anime. C'est quoi, chef? Ne vous en faites pas. Mesdames, Mouchaka Kintu, voilà où ça fait partie de ce qu'on appelle la notabilité. Voilà. Mais laissez-vous confondre. Dieu a ou dominé. A tous ceux qui ont le Congo, ils ont voilà, yako, ont dit, voilà, ils ont dit, voilà, ka cravate na ka ont ka mkombo. Uza, ka kwe ka bie. Pana inonekana tu mkombo. Ya bien, iko amu tu ya bien. Tu ripita amu shebote. Mubiana mulo na kapika tu ka bie. Na una tokelea. Uko muntu. Yote ibi, ça fait partie de la domination du règne. Soda ou soda, katan vule ina funga apa. Atalobana, meko nenda. Vre soda. Atalobana. Mishiwe, iko mou article, mwe ba chef wa maleta. Iko mou article, mwa mwana kimbiaka. Progrès, mwa mwana kimbiaka, mwa vule ina kwa. Bon,
Il me secret mtanyo chambiro. Mais soda apana. Kama chanza kulobana na lobana. Akima kambula te. Ni principe militaire, ndio pale wanatona kasa yo, yo civil. Nikusema nini? Mishi na sawe. Bona kimbia kamvula, mishi kimbia kamvula. Na shiki, bona kimbia kalufu, mimi hapana kimbia lufu, mimi nenda kumvita. Pika masashi na rebel. Nous sommes des soldats de Jésus. Et pour être soldat de Jésus, il faut sacrifice, discipline. Yahweh Moya. Bon, l'Esprit me dit d'arrêter. Pour dominer, nous devons rentrer au début, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. C'est ça, là où le Seigneur veut nous ramener, c'est là, au jardin d'Éden, pour que nous dominons toutes les choses. Allez, domine au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, tape les mains pendant deux minutes, tu es en train de dire, je commence à dominer maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je commence à dominer. Répète ça. Je commence à dominer à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je commence à dominer dans ma maison. Je commence à dominer dans mon foyer. Je commence à dominer dans mon ministère. Je commence à dominer dans l'église. Je commence à dominer dans le travail. Seigneur, donne-moi les capacités. Sois exalté, ô Dieu. Sois glorifié pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté. Sois glorifié. Père, je commence à dominer. Je domine les esprits. Je domine, oh. Tout, Seigneur, tout arbre que tu n'as pas planté, je le déracine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le règne, que je domine partout pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-moi, donne-moi les capacités de sanga ma coquille. Et sanga mayele, bona sale la ya, na singi, nanga makoki. Et sanga mayele, bona sale la ya, na nini ya sanga, bona moya bolingo. Et sanga mayele. Sangama koki, sangama kasi, bona salela. Sangama yele, bona salela. Mosika to uti, esondo langai. Bipa ito kokende yawe, tozo mona kembo. Oyonde mobembo ya likosa. Oyonde mobembo ya makasi. Pesanga makasi, pesanga makoki. Pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoki, pesanga patience, nana salila yo.